Encore un très très grand merci à OMG Serve pour le partenariat. Franchement, si vous voulez un serveur Minecraft, il n'y a vraiment pas meilleur rapport qualité-prix, ok? Et vous avez 5% de réduction sur toute la boutique avec le code promo MKOLO. Lien dans la description. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de MKO Park. Si je dis pas de bêtises, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. BXNO n'est pas avec moi non plus aujourd'hui, malheureusement. Mais j'espère que vous allez kiffer à fond cet épisode, puisqu'on va faire trois choses aujourd'hui. Je vais enfin vous montrer cette attraction derrière moi, l'attraction du volcan. Deuxièmement, je vais vous montrer ce qu'on a fait en off et surtout ce que BXNO a fait en off. Et troisièmement, on va réparer une attraction aujourd'hui, puisque du coup en off, vous savez que on fait beaucoup de décorations, mais on fait de nouveau des ajustements, puisque forcément il y a des attractions qui ont été cassées, des trucs en moins. Donc là, on va réparer une attraction de type tropical, ça va être les mines. Vous allez voir ça juste après, en fait ça se passe derrière, derrière ma caméra là, juste là-bas. Hop, on va aller là-bas juste après. Mais du coup je vais vous montrer pour commencer cette vidéo l'attraction du volcan, l'attraction tant attendue que vous attendiez. Alors regardez, j'ai planté des petits palmiers un peu YOLO là, vous voyez, il n'y en a pas énormément. Mais pour commencer, voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée, je vais vous montrer, j'en ai planté un ici. Voilà l'idée, voilà, j'en ai... Alors ça c'était déjà de base, mais ici voilà, j'en ai mis quelques-uns. Et le but à chaque fois c'est d'en mettre au fur et à mesure. Et à la fin ça va être génial en fait. La fin, ça va juste être génial. Voilà, c'est juste la petite parenthèse parce que ça m'a fait rappeler ça quand je l'ai vu. Donc voilà, on va se faire l'attraction du volcan. Donc là, voilà, tout a été fait par moi-même pour le moment. C'est pour ça qu'il y a très peu de décoration, qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller. Disclaimer, attention, c'est peut-être pas réaliste, hein, on... Non, ce que je veux dire, c'est que attention, évidemment, à l'intérieur, c'est pas fait. Il y a rien de, il y a aucune décoration. Vous allez voir que bah du coup, il y a rien à l'intérieur du volcan. Moi, le but du jeu, c'est que qu'on soit dans de la maquette. Hein. Évidemment, c'est un faux volcan dans le RP, c'est un faux volcan, c'est de la fausse lave, etc. Mais voilà, on est vraiment dans un trou à l'intérieur. Il y a juste la couche surface, tu vois, du volcan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera comblé. Vous inquiétez pas. Donc voilà, on prend les escaliers tranquillement. Et j'aime bien, je suis assez fier de moi parce que c'est assez sympa, t'as là, bon encore une fois les chunks ne sont pas chargés, mais voilà t'es là, normalement tu vois vraiment une petite belle vue sur le parc, là tu verrais la grande roue juste là-bas, là tu fais la file d'attente juste ici comme ça en plein air, comme ça tu peux souffler tranquillement, là tu vois les gars qui passent ici, voilà tu vois, tranquille, en attendant c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez les gars, ça faisait pas partie, qu'on soit bien d'accord, ça ne faisait pas partie du truc. Donc voilà, on fait la file d'attente, bam bam bam, on se serre les coudes, on arrive ici, donc tout est sécurisé, on peut pas tomber du volcan, parce que même si c'est un faux volcan, mine de rien ça fait haut, donc si là tu tombes, bah t'es un peu mort quoi. Donc tranquille, voilà, on a des barrières, machin et tout. Et voilà, donc là, il y a encore rien de décoré. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une lanterne que je vais garder toujours dans ma main secondaire, comme ça, ça fera de la lumière, c'est une bonne idée. Donc là on monte et on arrive ici. Donc là voilà, il n'y a aucune déco, rien. En plus il y a des trous partout, vous voyez. Et c'est ça ce que je vous disais, c'est que voilà, le volcan globalement, il n'y a rien à l'intérieur. C'est un peu bizarre. Mais on sera entouré de roches ou de je sais pas quoi, tu vois. Donc vous inquiétez pas à ce niveau là. On va là dedans, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et en fait on commence direct, direct, sensation, bam. T'as pas le temps de souffler, c'est une attraction qui commence direct, tu vois. Et ça existe dans la vraie vie, d'accord. Juste petite parenthèse. C'est parti, donc là ça va que faire monter tranquillement, voilà, super vite, et là voilà, on se recalme parce que c'est bon, c'était juste le début. T'es dans le wagon, t'es attaché et d'un coup pff, ça part, tu vois. Et là maintenant c'est bon, on repart tranquille. Donc là vous voyez des petits palmiers que j'ai plantés aussi. Voilà, ça va commencer à prendre vie par ici, donc c'est sympa aussi. Et voilà, et là première descente. Donc là pareil, on passera dans de la roche, hein, j'imagine. Là il y a de la lave et tout, c'est encore, c'est pas bon, tu vois. Mais c'est juste pour vous montrer le circuit pour le moment. Là en fait on a la lave juste au-dessus qui nous tombe dessus, vous voyez les petites gouttelettes. Donc ce sera pour faire un petit effet, mais on mettra je pense des particules encore, on verra comment ce sera. On sera vraiment, je le rappelle, on sera enfermé. Là je vous montre juste le circuit. Là on descend, hop, hop, hop. C'est parti, sensation. Voilà, on ressort du volcan, donc c'est ça, hein. On rentre, on sort, c'est ça le principe de cette attraction. Là on passe juste au-dessus de la file d'attente, à tout moment tu peux perdre tes chaussures ou alors vomir sur les gens qui attendent. Tu remontes ici. Voilà, là ça se calme un peu, tranquille. Voilà. Vous savez que j'aime bien les attractions où ça monte. Voilà, là on s'est calmé, tranquille, voilà. Là c'est le moment où on respire un petit peu. Pas trop mal, voilà. Et c'est pas fini, maintenant on va vraiment monter encore. On continue l'ascension. Et on se retrouve tout en haut du volcan, la lave. C'est de la lave artificielle, je le rappelle. C'est de la fausse lave. On ne peut pas... brûler, on ne peut pas mourir, c'est de la maquette, d'accord? Voilà, pour faire ça RP.
Et là on est tout en haut. Là par contre c'est bien réel. On est très très haut. Dans la vraie vie ça ferait très très haut, c'est clair. Voilà. Alors c'est sur une seule ligne de bloc. Mais avec un peu d'imagination, on est en vanilla, je le rappelle, mais avec un peu d'imagination, tu peux très bien te dire que c'est un poil plus large. Mais tu sais, dans la vraie vie, t'as des attractions qui sont fines et qui sont très hautes, mais c'est super sécurisé en fait. C'est là, on est dans un minecart, on est sur Minecraft quoi, tu vois. Mais voilà. Et hop là, on descend, la grosse sensation. Oh là là, vous allez commencer à vous spoil ce que je vais vous montrer après. C'est pas grave. Voilà, ça commence à prendre vie, hein. C'est vraiment trop cool. Là on est à fond les ballons, on remonte un petit peu, on repasse, bon, on va repasser de nouveau au-dessus des gens. Ah non, même pas, pas du tout, j'ai rien dit. Voilà. Et enfin, la dernière ligne droite, tout ça s'est calmé, on va beaucoup moins vite évidemment. Voilà, et on est arrivé. Donc voilà, comme dit, tout sera comblé, ce sera beaucoup mieux parce que là... Eh, là c'est juste le circuit, donc on peut très bien s'imaginer, voilà. Et là on se fait éjecter ici, donc à voir la sortie comment elle sera. Peut-être qu'il y aura un chemin ici, peut-être que... Voilà, j'ai envie de faire un petit truc sympa. Et hop, le minecart se remet en position. Donc jusque là, tout va bien. Donc voilà pour l'attraction, il n'y a même pas encore de sortie comme dit. Mais comme ça, vous la voyez, vous vouliez la voir, vous l'avez vue. Voilà, mais comme dit, c'est que le tracé. C'est que le tracé comme dit, donc il faudra vraiment bien continuer tout ça. Alors ce que BX nous a fait... Alors j'aurais voulu qu'elle vous explique en vidéo, voilà, je trouvais ça super sympa. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer la BXNO du pauvre, ok? Attendez, bougez pas. Et coucou, c'est BXNO! Comment ça va? Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ici même M.Colo, donc sur Tiki Land. Elle fait pas ça en plus. Alors voilà, donc on est allé ici, on a continué en fait la zone, donc là c'est la limite entre la zone tropicale et ici la zone plus waouh. Alors M.Colo ici, il a rajouté un big palmier, donc c'est les mêmes qu'on a à l'entrée du parc d'attractions. Donc il a fait ça avec le slash slash Shem, hein. Et il a rajouté plein de palmiers. Là, il avait fait donc un truc tout moche, mais c'est normal, hein. Il est très beau et très intelligent, M.Colo. Et c'était juste pour, voilà, histoire qu'on ait une base. Mais après, on fera tout bien, tout mieux. Enfin, je ferai tout bien, tout mieux. Donc voilà. Il a mis aussi des barrières tout autour, là, ici, pour délimiter la map. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un pont. Au début, j'aimais pas trop parce que ça ressemblait à une tortue. Voilà, ça ressemblait à une tortue et j'aimais pas. M.Colo, bon, il est pas objectif à chaque fois. Il aime bien tout ce que je fais. Du coup, j'ai réussi à refaire comme je voulais correctement. Et ça ressemble à ça maintenant. Voilà. Et bah, ça va. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas le meilleur que j'ai fait. Alors, j'ai mis à l'intérieur des lanternes, un petit peu de manière asymétrique. Mais c'est super sympa, et là il a aussi rajouté un petit palmier, voilà. Voilà, je peux aussi vous montrer, avant qu'il reprenne la vidéo, M.Colo, je peux aussi vous montrer, donc, il va faire ça après. Qu'est-ce qu'il a mis là comme panneau? Les mines abandonnées, durée, rapport sexuel d'M.Colo. il a aussi commencé à faire la plage, pour le moment, il y a encore pas d'eau. Il n'y a encore pas d'eau pour le moment, mais il a commencé, voilà, à l'idée, le front de mer, on va le faire ici, voilà. Donc là, pour le moment... Il n'y a vraiment rien, c'est là où il y aura de l'eau, etc. Ce sera, voilà, vous inquiétez pas, là c'est très linéaire. Voilà. Et tous ceux qui disent que c'est pas réaliste. Là c'est le pont que moi-même j'avais déjà fait. Et donc voilà. Voilà. On dirait BXNO mais qui fume en fait avec la voix que j'ai. Donc voilà. Je vous laisse avec M.Colo de nouveau. Bisous, pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne. Bon bah voilà, merci beaucoup BXNO pour ce passage sur la vidéo, ça fait plaisir. N'oubliez pas de dire en commentaire, franchement elle était plus belle que d'habitude aujourd'hui je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, donc voilà, le pont donc qu'elle a fait, on va pas y revenir. Et donc là ce qu'on va faire pour cet épisode les amis, comme dit, on va réparer donc en fait cette attraction, l'attraction des mines. Ça va être bien sympa parce que du coup il y a plus les mannequins, les rails sont cassés, etc. Je crois pas qu'il y a grand chose à faire. Donc voilà, tout simplement. Donc là tout est, en fait là il y a rien qui est cassé dans la file d'attente, tac on arrive ici, bam bam, tout va bien jusqu'ici. Voilà, là déjà ça commence mal, il manque ce rail là. Hop. Voilà. Regarde juste la fin d'attraction. Ça tout est bon, là les trucs sont activés. Bon, on a de la chance, on a de la chance ici, voilà. Donc là on commence l'attraction, d'accord. Ça descend et il manque déjà. Et tu vois c'est ça le truc, c'est que je ne sais plus si c'était un rail comme ça.
Et en fait, pour le vérifier, c'est simple. On regarde, est-ce qu'il y avait un système de redstone en dessous ou pas. Attends, ça me paraît bien chelou, ça. Attendez. Ça me paraît bien chelou. Ah, voilà, c'est ça. Il y a de la redstone en dessous, donc en fait, c'était un ray detector. C'est ça, voilà, ouais. Tu vois, heureusement, je vérifie. C'était un ray detector. On vérifie juste qu'il fonctionne. C'est bon, il s'allume. Donc, tac, ça permet d'aller... Alors, ça va à deux endroits différents. Ça va ici. D'accord. Alors, attends, parce que je vais pas casser le bloc qu'il y a au-dessus, les gars. Ça va ici, et ça fait communiquer. Voilà, là, c'est cassé. Ah, attends. Qu'on soit bien d'accord, c'est ça qu'il y a, je crois. C'est plus. Ah, il me semble que c'était comme ça. C'est chiant que tout soit cassé comme ça. Et en fait, voilà, il y avait un minecart dessus. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. De l'autre côté, c'est pareil. Bon, là, c'est pas compliqué. Il suffit juste de faire ça comme ça. Tac. Voilà. Ok. Là, tout est bon. Et en fait, c'est juste là, un minecart décoratif qui fait des allers-retours, hein, pour rappeler, d'accord. Ok. On se remet en spectateur. Là, normalement, donc, ça fonctionne. Hein. Et l'autre système de redstone, il va ici. Tac, 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 tac. Ouais. Bah, il va faire pareil, il me semble. Hein. Là, voilà, exactement. Et donc là, c'est comme ça, voilà. Et là-bas, normalement, il n'y a pas de problème. Ah! Si, alors là, par contre, c'est problématique, voilà. Là, c'est activé. Là, ça descend. Là, c'est décoratif ici, hein, d'accord? C'est le minecart qui passe et qui fait de la déco. Enfin, qui fait de l'animation, quoi. Et là, c'est pareil. Bon, visiblement, c'était un ray comme ça. Y a pas de système derrière? Attendez. Bah si, y a un système, regardez. Y a un système. Bah qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors attendez, donc. C'est un repeater. Enfin, un repeater. Un redstone comme ça qu'il faut. Mais attendez, mais... Juste une question, ça vient d'où, là? Ça vient d'où, là? Bon, tout est dans le bon sens, c'est bien. Attendez, ça vient de là. Hein, c'est quand tu passes. Bon, là c'est cassé. Quand tu passes ici, ça active ce truc là. Mais du coup, c'est crétin parce que ça va. Ah ouais, parce que le premier passage, en fait, quand on commence l'attraction ici là, le minecart il passe ici et après il va se bloquer là. Et après, quand on repasse là-bas, il va se débloquer. En fait, c'est pour qu'on voit tout le temps un minecart normalement. Ok, il me semble. Hein. On va bien voir si ça marche de toute façon. Mais du coup, dans tous les cas, il me manque un minecart. Voilà. J'ai dû foirer quelque chose à quelque part. Bah attendez, on va déjà vérifier sans faire l'attraction. Si maintenant, je fais ça. Voilà, est-ce qu'on a les minecarts qui bougent? Voilà, lui il est parti. C'est bon, ça fonctionne. Les deux minecarts sont partis. Là voilà, ils sont aller-retour. Il y a l'autre qui passe. Ok, donc là, est-ce qu'il va se bloquer? Il se bloque, c'est parfait. Et lui, il s'est bloqué aussi. Voilà, nickel. Bah lui, on peut le laisser. Et là-bas, le minecart qui est là... Il va bouger si nous... Alors attendez, je suis perdu. Voilà, si on fait ça. Est-ce qu'il repart? Il repart. Yes! Ça, c'est réparé. Ça, c'est cadeau. Est-ce qu'il va revenir jusqu'au point de départ? C'est le but du jeu. Et en fait, tout est automatisé. Et ça fait que bah tu peux refaire l'attraction autant de fois que tu veux. T'as même pas besoin de replacer les minecarts. Voilà, nickel. Donc là, maintenant, l'attraction en elle-même. Là, rien n'est cassé. C'est tout bon. Toutes les rails sont là. Tac, 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 tac. C'est là que ça va devenir un peu relou. Donc là... Il me semble qu'il n'y avait rien. C'était un rail normal. Des fois, il faut se poser les bonnes questions. Tu dis pourquoi le rail il a cassé. Donc, c'est peut-être des rails spéciaux, mais là, visiblement, non. Voilà. Je sais pas pourquoi des fois il y en a qui ont cassé. Là, par exemple, c'est un rail comme ça ou comme ça. 1, 2, 3. Il n'y a rien en dessous. 1, 2, 3. Voilà, ni vu ni connu. C'est qu'il y a assez de patates. Là, il n'y a pas de problème. Là. Ouais, là, la question c'est. Là, la question, c'est est-ce que c'était prévu qu'il y ait un rail normal ou... Je pense que ça passe. Ou je sais pas. Là, il manque des armor stands. On avait mis des mineurs. J'avais mis des mineurs. Donc là, on fera ça aussi aujourd'hui. Là, on va faire ça juste après. Là, ça descend direct, hein, comme ça. Là, c'est pas problématique. Attends, là, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, là, c'est normal. Là, ça descend. C'est méga serré, j'avais oublié. Quand t'es en minecart, tu t'en rends pas forcément compte et tant mieux. Très bien, là c'est bon.
Là c'est problématique. Aïe aïe aïe. Donc là ça va tout droit. C'est là que ça monte, ok. Alors ça continue comme ça. J'aurais pas dû replacer les rails parce que je crois qu'il y avait des Il y avait des powered rail qui étaient prévus. Tout est lié. Là c'est pas bon. J'ai hâte de refaire la traction, ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Voilà, je tiens à le dire, forcément, bah elle est cassée donc c'est normal, mais ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Là c'était peut-être un rail comme ça, non. Là peut-être. Ouais. Là, lui il est activé, on est d'accord. Et là c'est ça la question, est-ce que... Merde. Là il faut voir, est-ce que peut-être... Non, visiblement c'est bon, on va faire le test. Ok, ça c'est cool. Là, au hasard. Ouais. Donc c'est à dire que c'était comme ça. Là si j'en mets un au hasard. Voilà, tu vois. Tu vois qu'ils sont activés, tu sais qu'il y a la torche de redstone en dessous qui attend quoi. Là peut-être. Ah bah oui, là lui il est activé. Et là je crois que là on est parfait. Donc là on va juste faire un tour. Et franchement si du premier coup ça fonctionne, je suis un beau gosse. Après c'est pas non plus détruit à 100%. Donc ça c'est l'avantage. On est parti, donc là on va voir voilà le minecart qui passe ici en déco. Le minecart aussi là. Ah mais c'est des minecarts, j'aurais dû mettre des minecarts avec des coffres. C'est pas grave. Hop, ça descend. Oh, ça faisait longtemps. Tac, tac, tac. Ok. Yes. Ah, c'était trop bien. Là, le petit mineur qui manque. Ah, c'est vrai, elle est bien, cette traction aussi, là, quand même. Fait du bien. Hein. Ouais, là, c'est vraiment les mines. Hein. Oh. Et en vrai, elle est sous-cotée. Cette traction, elle est sous-cotée. Wouhou. Zanzazion, zanzazion. C'est trop bien. Ouais, je suis en train de me jeter des fleurs là un peu là. Et là il manque un. Voilà. Là forcément il manquait un. Et je suis sûr qu'il était là. Et voilà. Mais je ne pense même pas que ça suffirait. Donc je vais tout de suite en mettre deux dans la foulée parce que je suis persuadé que ça suffira pas. Vu la vitesse. Je suis sûr il en faudrait même trois. Là le seul bémol, c'est qu'il faut recommencer la traction. Alors peut-être pas, attendez, avec un peu de chance. En vrai, avec toute la vitesse qu'on a. C'est à peu près à cette vitesse qu'on arrive en vrai. Hein. Donc normalement, c'est pas bien, il faudrait tout recommencer, mais c'est déjà là pour voir si ça passe ou pas. Parce que si ça passe pas, là en vrai, ça passerait pas habituellement. Parce qu'on va méga vite là. Je pense que c'est la même vitesse. Ouais, c'est ça. Tac. Je sais pas si c'était censé aller plus vite ou pas. Ou si c'était vraiment comme ça. Ouais, je crois que c'était censé aller plus vite. Donc, ça veut dire... On peut mettre ça là, la limite... Et on va rajouter un ici, ok. Attendez. Eh, regardez, il était prévu, lui. Voilà, là, je pense que là, c'est bien. Là, je pense que là, c'est bien. On va vérifier. On fait un dernier essai comme ça. Peut-être un peu vite, là. Bon, l'avantage, c'est qu'en bas, on est ralenti. Et dans tous les cas, ça revient au même. Voilà. Yop. Oui, c'était plus ça, ouais. Hop. Ouais. 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 C'est bon. Et là. Plop. Attraction terminée. Ah, c'est cool. Et hop, elle se remet là. Voilà. Bon, le minecart se remet pas spécialement correctement. Hein. Ça, c'est évident. Est-ce que le minecart s'est remis là-bas? Oui, il s'est remis là-bas. Lui, il s'est remis là-bas. On va juste, du coup, changer. On va mettre minecart avec chest et un minecart... pas avec TNT parce qu'on va le faire péter, je le sens. Ce serait très dangereux, donc on va faire avec Hooper, d'accord. Lui, on va mettre avec Hooper. Non, en fait, on va tous les faire avec des coffres, en vrai. On va pas... Comme ça, on est sûr que ça rend bien. Voilà. Et maintenant, on va juste se faire les mannequins personnalisés. Et pour ça, les amis, voilà. On va aller sur Internet. On va changer, on va quitter Minecraft pour aller sur Internet. Je vais vous montrer ça en vidéo. Puisque du coup, bah, ça fait un peu partie de la conception du parc. Donc c'est parti, direction Google. Et voilà, les amis. Donc j'imagine que vous connaissez probablement tout ce site. Ça s'appelle Minecraft Armor Stand. C'est le site de hazelkern.com. Si vous voulez, je vous le mettrai même en description le lien. On va cocher nos base plates. Ça enlève en fait la plaque d'immatriculation. Waouh, la plaque qui est juste en dessous. On va mettre les bras. Pour le casque, helmet. Normalement, voilà, on coche ici, on met player name. Voilà, player name. Et comme ça, je mets Mkolo. Et ça va mettre ma tête. Voilà, alors elle apparaît pas, mais normalement ça fonctionne. Hein. Ok, item in right hand. Dans sa main droite, on va mettre une pioche. Donc c'est Minecraft double point. Alors il faut juste trouver le... C'est ça le truc, c'est slash give mkolo Minecraft pick
Alors attends, c'est... On va mettre Diamond. Diamond pickaxe, ok. Donc là je prends tout le truc, je fais CTRL-C pour copier. Hop, je retourne sur sur le site. Voilà. Et je colle. Voilà, et ça me donnera en fait dans ma main droite du coup une pioche en diams. Alors attendez, voilà, déjà évidemment pour faire ça bien, hop, on va bouger. Voilà les jambes. Ça c'est pour bouger dans ce sens. Dans ce sens là on va essayer un petit peu de bouger le... Ouais non, voilà. Là comme ça c'est bien, ça fait genre je prends appui. La main droite, la... non ça c'est la main gauche. La main droite c'est là où il y a la pioche. Donc la pioche, comme ça. Et du coup nous on mine comme ça, tu vois. Eh, hey, pas mal là comme ça, ok. On va essayer comme ça. On n'a plus qu'à faire click to copy. Ça nous a copié directement dans le presse-papier en fait le... la commande. On retourne directement sur Minecraft. On se give un command block, très important. Et on va aller là où on veut le faire apparaître. Et c'est ici, voilà. Je mets le... Donc du coup moi j'aimerais le faire apparaître. Alors attendez, je sais plus exactement où je l'avais mis. Donc là nous on arrive là, bam bam bam. On est censé me voir là, voilà. Ici, je colle. Down, je mets un petit bouton histoire de d'activer. Et on regarde. Et voilà, ça fonctionne. Je suis pas dans le sens que je veux, d'accord. Donc là on se rend compte que il est dans la direction de mon bouton. Alors c'est même pas fait exprès, mais ça tombe bien parce que du coup en fait, voilà, c'est comme si là j'avais placé le bouton. C'était pas fait exprès. Du coup on sait que par rapport au bouton, je veux qu'il soit vers là-bas. Donc pour ce faire, je vais tout simplement rotationner. Voilà, dans ce sens. Et pour faire ça bien, comme on est sur Minecraft, pour changer l'aspect un peu cubique, on va le mettre en décalé. Comme ça. De sorte à ce qu'il soit pas de manière cubique dans un certain axe. Là, là il est pas mal là comme ça. Hop, je recopie. Je retourne sur Minecraft. Je le casse bien sûr. Et j'enlève la commande. Et je recolle. Et là c'est beau. Et là c'est beau. Et là on est pas mal. Alors la lanterne c'est pourri. La lanterne je pensais pas que ce serait aussi pourri. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait de la lumière. Et ça c'est top. Ça vraiment c'est top. On voit pas la lanterne dans sa main, on s'en fout tu vois. On s'en fout vraiment. Mais oh, ça fait de la lumière autour de lui. Et ça c'est génial. Mais c'est génial. Non c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ça c'est sympa. Donc voilà, moi c'est fait. On va faire maintenant de même pour Marion. Tac. Et là en plus elle mine. Bah du coup ce qu'on va faire, on va lui mettre un... Pas un diamonds, on va mettre du gold. Voilà, juste ici. Hop. Là elle est en train de miner. Voilà, c'est bon ça. Ça c'est fait. Ce que je vais faire aussi. Attendez. Le truc qui peut être sympa, c'est que là je suis en train de miner de la cobble comme un connard. Du coup, on va me mettre du fer. Voilà. Et alors aussi, on en avait discuté aussi pour un peu le sens de cette attraction. C'est qu'on l'a appelé les mines abandonnées. On était dans un débat avec Marion. C'est que moi, je voulais appeler ça les mines. Et dans mes vidéos, j'ai toujours appelé ça les mines. Et non pas les mines abandonnées, vraiment les mines. Alors que elle a toujours appelé ça les mines abandonnées. Donc déjà là, on n'était pas d'accord parce que ça veut pas dire la même chose. Des mines abandonnées, c'est des mines qui sont abandonnées. Alors que des mines, c'est des mines qui sont exploitées. Et en fait, le truc, c'est que... ben moi j'avais mis des mineurs, donc là je les ai remis. Donc du coup, bah c'est une mine qui est en activité. Tu vois le principe c'est qu'on les voit miner. Mais Marion du coup elle est dans l'optique que c'est des mines abandonnées. En plus du coup il y a plein de, voilà, de lianes qui tombent. Il y a des toiles d'araignées. C'est une mine abandonnée. Donc il y a un truc qui est pas cohérent. Et en fait on en a discuté. En fait en vrai c'est pas mal. On va se dire que globalement, bon elle dit comme ça vous allez dire mais vous êtes chez père les gars. Mais que c'est des mines abandonnées, qu'en fait c'est un peu des fantômes. Genre vraiment les gars ils ont miné là, ils ont passé des années à miner ici et en fait ils sont toujours là même s'ils sont plus là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en vrai il faut voir le truc comme ça. Parce que dans tous les cas, vous voyez bien qu'il reste encore beaucoup de minerais. Et donc voilà, on sait pas ce qui s'est passé de l'histoire. Voilà, il y a eu peut-être une épidémie tel coronavirus à l'intérieur, je ne sais pas. Mais voilà tu vois, donc c'est sympa. On a réparé l'attraction les gars, on va juste refaire donc un tour. Pour bien être sûr. Voilà, c'est bien ici. Mais normalement on devrait pas être trop mal. C'est parti pour savourer l'instant. Ça c'est fait, c'est check, ça fait plaisir. J'aurais dû chronométrer. Je suis bête. Waouh, le coffre. Trop bien. Wouhou. Voilà, et là on va voir le petit M-Cool en action. Ah non c'est pas du tout là. Ah si c'est après. Voilà et on voit déjà sa lumière et tout là. Waouh, ah, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ça fait du bien, j'ai l'impression de retrouver l'attraction comme elle était au début quoi. Hey! Putain, c'est vrai, on est avec nos masques du Covid du coup.
Moi il faudra que je change de skin bientôt les gars, parce que je suis toujours en tenue d'été alors qu'il fait méga froid là. Donc je vais changer de skin bientôt là. Génial. Ah là il y avait un mineur à mettre. Mince. On va mettre un mineur. Mais là tout fonctionne. Et ça c'est le plus important. Waouh, la lumière dans la figure. Nickel les gars, nickel. Hop, et on sort, allez salut. Nickel, là on mettra évidemment une item frame. Parce que normalement il y en avait déjà mais ça a été supprimé je pense. Avec les bugs et tout. Par contre j'aime pas le fait que ça vole. Ah ouais ça c'est embêtant ça. J'aime pas le fait que ça vole. La merde. Ouais mais on a toujours fait comme ça en même temps. Ça a toujours été comme ça en vrai. Ouais mais non mais là c'est... Attendez ça a jamais été comme ça les gars, laissez-moi vérifier un truc. Attendez. Laissez-moi vérifier. Parce que moi mon attraction de référence c'est le Baumul. Le Baumul je sais qu'on l'avait bien fait. Enfin que Marion l'avait bien fait. Ah bah ouais regardez ça vole en fait. Ça a toujours volé. Eh bah alors c'est franchement pas réaliste. Bon bah let's go hein. On va faire ça. Non ça me paraissait bizarre ici. Mais non non c'est bien ça. Hop hop et on fait give Mkolo barrière. Hop tac tac. Ça c'est réglé. Carré carré carré. Et du coup là il manquerait un mineur à la limite. Et en vrai je crois que c'est là qu'il y avait Marion non. Non parce qu'en vrai ça passe trop vite ici. On n'aurait pas le temps de la voir. Tu sais quoi ah bah non j'ai cassé les command blocks dommage. J'allais dire j'allais mettre le même mineur et tout. Non bah la flemme. Et on mettra ici un mineur ou un truc. Faudra qu'on mette un truc genre attends. Armor stand. En avoir une idée. Ah bah non. Je viens d'avoir un achievement parce que j'ai pris de la nézérite. Non mais attendez je voulais tenter un truc. Ah ouais non mais de toute façon il y a l'armor. Il y a le... Eh les gars on peut pas faire un genre. Bon c'est pas un train fantôme hein. Mais attendez laissez-moi juste imaginer. T'arrives là à toute vitesse et tu vois ça. Ça fait un peu fantôme en vrai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En vrai ça fait fantôme. Et on est vraiment dans l'aspect mine abandonnée. Attendez. T'arrives là vite. Tac 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 tac. Et tu vois ça là. Du coin de l'œil. Alors ce qu'on fait c'est qu'on va rajouter. Ouais voilà c'est un... Eh les gars petit, petit easter egg. Oh punaise. Il se passe un truc là les gars. Il y a un truc qui dégage ici là. T'enlèves une lanterne. Ouh, attends on va la remettre. Elle était là. Je peux pas en mettre. Ouais non. Non mais c'est bien là comme ça en vrai non. Vous trouvez pas? Il y a un truc. Toi t'arrives là. Tac. Attendez juste. Juste pour la descente les gars. Et après promis on arrête. Merde. J'ai mis deux main cartes c'est pas grave. Bon là normalement on va beaucoup plus vite que ça hein. C'est vrai que là c'est la lenteur. Normalement on va méga vite là en vrai. Attends là on commence à reprendre de la vitesse. Voilà c'est bon. Et hop là t'arrives. C'est pas un screamer mais hop. Tu vois ça fait un peu aspect fantôme. Y a un petit truc un peu fantomatique. Hop. Et ben voilà et ben c'est cool. Au moins cette attraction là aussi elle est réparée. Et ça ça fait plaisir. Et on avance super bien. Je suis trop content. Donc voilà, bon là, forcément, eh, franchement, coronavirus de merde, si tu m'écoutes, tu fais chier, hein. Non, parce que du coup, forcément, eh ben, vous savez très bien, hein, le Covid qui fait perdre un peu de l'emploi à beaucoup et qui en recrée de nouveau en même temps. Et puis voilà, un coup, une semaine, tout le monde bosse, une semaine, les gens ne bossent plus, voilà. Bah non, c'est pas la faute du gouvernement, si, c'est leur mesure, mais bon, à la base, le Covid... Mais bref, bah c'est chiant du coup, un coup BXNO elle peut être là à fond, un coup elle peut pas être là. Moi ça change rien par rapport à mon boulot, donc ça c'est cool. Mais je travaille quand même toujours, voilà. Mais c'est ça au moins, voilà, c'est cool. Mais voilà, je suis quand même moins présent, c'est un peu chiant, mais voilà. Regardez les petites fleurs derrière, c'est mignon quand même. C'est vachement mignon, voilà, ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, tous ceux qui me demandent, il y en a beaucoup, vous êtes nombreux maintenant à me demander c'est quoi mon métier. Je vous ai déjà dit dans des vidéos Euro Truck que c'est mystérieux. Et que je ne veux pas vous en parler tant que... Ok, mais je vous en parlerai un jour, vous le saurez très vite parce que un jour j'aurai pas le choix de vous en parler pour la simple et bonne raison que ce sera le jour où pendant un moment je ne serai plus là, mais je reviendrai quoi qu'il arrive, voilà, sachez-le. Donc ça fait plaisir. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. J'espère que l'apparition de BXNO du pauvre vous a fait plaisir. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, des bisous à tous, ciao tout le monde.